Très souvent, nous trouvons la police arrête un du monde quand il prend une caution à amener le riman. Et chaque fois, il est amené à la cour, le magistrat dit qu'il peut arriver. L'enquête n'est pas ouverte, l'enquête n'est pas finie. Là, je fais qu'il y a un jugement avant de venir là, qui est rendu par le magistrat hors droit. Quand un du monde s'est arrêté pour une affaire à sol, batté. Pas une grande affaire, ça tient un seul accusé là-dedans. Arrête Bougla en 2021. Arrive 2023, l'enquête n'est pas finie. Deux ans dans une caisse simple, pas sourde, battue. Mais ça, c'est une caisse là. C'est un master de caisse. Peut-être la police qui a choqué. Peut-être avec tout le respect qu'on a, vous dites pipi, le bureau du pipi qui a choqué. Les magistrats là sont de voir ça. Ils ne savent pas de quelle manière. Elle l'a fait peut traiter par la police. Après deux ans, pas qu'elle continue à mettre un petit monde et qu'elle l'épée de Damoclès sur la tête pour ne pas finir l'enquête dans une simple case assault, batté. Maintenant, quand l'enquête finit, je ne sais pas qu'on est combien de temps l'enquête prend. Il y a l'enquête traînée. Et là, un autre problème encore qui fait du monde perdre confiance. Qui fait une enquête traînée? Pour quelle raison l'enquête traînée? Nous ne connaissons pas. Tout est fait dans l'opacité. Dans le secret, nous ne connaissons pas qui fait une enquête traînée. Et ça, nous pouvons communiquer au niveau de la police pour dire nous qui fait une enquête traînée. Notre grande technique, le direct motif, inquiry going on, same tout. Dans la plupart des cas, bizarre se met deux là DPP. Quand DPP gagne un dossier là, DPP n'est pas un robot, il n'est pas le président du bouton, il prend une décision. Il est besoin de lier un dossier, il est besoin de connaître qui est qui pénal là-dedans. Et les demandes, elles supprimaient d'enquête, elles faisaient une query. Et dans plusieurs cas qu'ils m'ont trouvé dans le journal, quand DPP demandait une further inquiry, une enquête supplémentaire, le dossier-là dormait contre la police. Ça aussi, un autre problème qui crée méfiance du public. Qui fait arriver à faire comme ça? Qui fait tout de suite, c'est pas fini, faire une enquête à voler DPP pour lui faire prendre cette décision?